Les enfants, ouais, j'ai oublié de couper ça. Voilà, ouf, on allait entendre ma sublime voix en double. Comment allez-vous ce soir? Il y a personne, enfin si vous êtes trois, mais vous n'avez pas dit coucou. Du coup, j'attends que vous parliez, pour pas parler seul, mais vous parlez pas. Donc, j'ai quand même lancé mon live au bout d'un moment. Comment allez-vous? Même si vous êtes silencieux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va. Ça va bien. Ah si, il y a mamie. Wesh mamie. Bien ou bien? Bien, t'as vu? Ce soir, on continue Lulabiz Life. On est à l'épisode 8. J'ai raté les pieds du sans bébé la semaine dernière. Mais c'est pas grave. On le fera la semaine prochaine. Il y a des choses de prévues. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous me direz. Et là, il y a un gros qui dort. Un gros chat. Ah non, c'est la saucisse. Alors, saucisse. Oh. Je croyais que c'était gris. Dans mon retour, j'ai vu du gris, mais en fait, elle est tigrée. Ouais, on voit pas. Hein. Bon, là, vous voyez pas parce que la caméra s'est redressée, mais bref. Extasie, elle fait la sieste avec moi. Bienvenue à l'Oupitopia. Merci, MGTW. Bienvenue. Qui êtes-vous? Ce métamorphe qui danse est incroyable. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Bah, bienvenue à toi, en tout cas. N'hésite pas à t'installer. Et voilà. La meuf a rien à dire. C'est intéressant, hein. Mes lives sont très intéressants. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un que je connais pas qui vient, je stresse et je dis de la merde. Bon, je dis de la merde en général, mais là... Bref, Osef. Je remets le son du jeu, c'est mieux. Bon, on va commencer. Wesh Missou, bien ou bien? C'est pas possible de parler comme ça. Les racailles de Tessie. Les racailles de Shanghai. Voilà, les vieilles rêves. Elle est trop bien cette musique. Ouais, la meuf découvre les musiques du jeu. Bien le sang. C'est pas possible. Bah ça va, écoute. Je vais vous mettre sur la scène de jeu. Je change ça. Moi j'aurais commencé par ça, c'est-à-dire changer. Allô? Merde, j'ai désactivé le cadrage. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, il m'a tout cassé le con. Mais non, pas le floutage. Oh, voilà. Quand même. Bon alors, un petit récap. J'ai arrêté de brère. C'est pas possible de brère tout le temps comme ça. Un petit récap pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Coucou Voldou, ça va? Lulabiz Life est un let's play participatif, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer des familles... Vous pouvez m'envoyer des constructions, donc je vais jouer avec, enfin je vais pas jouer avec vos familles directement. On joue avec cette damoiselle, qui s'appelle Lulabi, qu'on suit depuis qu'elle est nourrissonne. Et lui c'est son père, mais on s'en fout. Ça c'est fait. Et donc le but,
C'est que il y a des trucs de prévu, mais tout ce qui est interaction avec les autres Sims, bah c'est selon les Sims qu'il y a, et comme c'est vos Sims, c'est beaucoup plus rigolo. Ou pas d'ailleurs. Pauvre Benoît. Ah, le blason de la Normandie. RPZ. Bref. Donc vous pouvez participer. Il y a les hashtags qui sont affichés là. Voilà, là. Donc n'hésitez pas à envoyer des Sims ou des maisons en mettant ce, ou des maisons ou d'autres terrains communautaires. Hein, bref. Voilà. On est 24. Bientôt 25. Donc ce sera un tiers de ce qu'il me faut pour avoir le... Comment ça s'appelle? Oh, ça m'énerve. Les abonnements, voilà. Donc, on verra ça. Ta-da-da-da-da. Ah oui, d'accord. Ok, bref, donc... J'ai besoin d'un terrain particulier. Missou, est-ce que tu lis les salons Discord? J'ai tout écrit dans Recap Lullaby, ce que je n'ai pas et ce que j'ai. Donc, tu peux aller voir là-bas. J'ai tout mis le 26 juillet. Voilà. Et j'ai mal à la bouche. J'ai pas trop lu. T'inquiète. T'inquiète, Belette. T'as le droit d'avoir une vie, mais pas trop quand même. Ah, la meuf. D'ailleurs, j'ai rajouté une. Comment ça s'appelle? Une boîte de nuit parce que j'en ai besoin d'une. Bref, j'étais en piocher une dans la galerie. Apparemment, j'en avais déjà une. Bah, elle est où? Bon, peu importe. Le truc, c'est que je pense que j'ai trouvé une solution pour que le jeu me génère moins de PNJ. J'ai... Attendez, je vais vous montrer. Parce que là, là, je vous cause, mais je vous montre pas. Donc, vous n'allez pas forcément visualiser. Pour que le jeu génère moins de PNJ, en fait il génère des PNJ à chaque fois qu'il a besoin de vendeurs, de Sims dans un endroit particulier, surtout les vendeurs. Je pense qu'il a aussi généré un propriétaire de ranch vu que j'ai dégagé les PNJ de base, c'est pas ça que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous vos Sims dans autre foyer. Et comme ça... Bah alors? Bah alors? Mais qu'est-ce qui lui a pris à celui-là? Il drôle, bah alors? Il n'y a pas mieux, hein? Mais qu'est-ce que je disais? Je les ai tous foutus là. Comme ça, il prend... Bah, il prend les ados pour les mettre au lycée, par exemple. Bon, ça marche pas pour tout, c'est-à-dire que ça m'a quand même généré un proviseur, des profs, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai gardés. Et bah comme ça, ils se régénèrent pas à chaque fois. Je les ai relookés aussi pour pas qu'ils aient l'air trop dégueu. Hein, parce que leur teint rose, c'est pas possible là. Enfin, vraiment rose. Ou pâle comme des vampires, c'est pas ouf quoi. Bah, je te l'avais écrit, Miss, dans les Sims. Mais j'avais peut-être pas été assez claire. Parce que c'est compliqué à expliquer sans images. C'est plus simple avec les images. Coucou, Osk, comment tu vas? Moi, je sais comment tu vas, mais c'est pas grave. Bien manger? C'est le début du bonheur. Bref, j'ai gardé Moustachius. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je sais plus. Lui, c'était un type qu'on avait croisé, qu'on avait fait la... Bah oui, oui, vous le savez, parce qu'on avait fait la balade, je suis con. Qu'on avait croisé en faisant la balade avec le Labi. Du coup, je l'ai gardé, son cheval était beau. Et alors, elle, magnifique. La pute qu'on avait croisée, là.
dans la neige à poil. Donc voilà, et ce que je vais faire à l'avenir, c'est que quand ça va me générer des Sims vendeurs et tout ça, je vais les garder, je vais les relooker et puis les renommer PNJ quelque chose. Et comme ça, ça me générera plus de Sims, enfin je pense. Ou moins en tout cas. Voilà, donc il y a toutes vos familles ici. Et en soi, dans les foyers, bah j'ai pas gardé grand monde, hein. J'ai gardé les Sims self principalement, Lucienne. Et Mirabelle que vous verrez plus tard. Voilà. Non mais c'est pour savoir leur rôle, Oscar. C'est tout. D'ailleurs l'autre je vais appeler PNJ Random. Voilà. Le random avec Punch. Bah alors elle est où l'autre discothèque là? Ah, je sais ce que c'est. C'est celle-là? Bah non, c'est pas celle-là. Bah j'ai foutu où? J'ai une discothèque à rénover, c'est celle de... machin truc là. Les trucs de Chestnut, je vais les relooker un petit peu. J'ai mis à rénover, mais voilà. Il n'y a plus rien ici. J'ai enlevé tous les terrains communautaires. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à part les maisons. C'est bien, hein. Elle est bien, ma porte qui grince. Elle est où cette putain de bibliothèque? Ah, je sais. Yes, c'est celle-là. Ok. Bon, en fait, je me dis... Oh, il manque des quartiers d'ados, mais j'en ai trois. Bon, bref. C'est bien, Lupina. Allez, on va jouer, là. On va jouer. Lulabi va dire à son père... Papa, est-ce que je peux sortir ce soir? Je suis grande, je voudrais aller avec mes amis et tout. Ah bah oui, comme tu es super douée à l'école et que tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Pardon? Tu peux y aller, ma fille? Bien sûr que tu peux y aller. Cool, trop bien. Du coup, je vais aller me préparer. Donc, elle va se préparer. Ah oui, est-ce que je vous ai montré la chambre relookée ou pas? J'ai un doute. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Enfin, la semaine d'avant? Enfin, la dernière fois? Madison, qu'est-ce que tu veux? On fait une fête avant le bal de promo. Tu veux venir? Ah, c'est vrai qu'il y a le bal de promo, mais on n'a personne. On s'en fout. Ok. Du coup, je sais même pas si je vous l'ai montré. Moi, je vous montrerai en rentrant. J'ai changé la chambre de Lulabi. Je crois que je l'ai montré à mamie, mais je l'ai pas montré. Oh, je sais plus. Non, parce que la semaine dernière, elle a grandi. Donc, faudrait que je vous montre sa chambre maintenant. Sa chambre rose. J'entends déjà Miss dire « Oh, j'adore !» Très, très girly. Enfin, pour moi, c'est girly. Ça se trouve, c'est absolument pas girly. Bah, du coup, on est chez les Solivelle avec qui? Oh, is it or? C'est qui ça? Brandon! Et Milos, elle a pas invité les moches, hein! Je voudrais pas dire, mais Madison, t'as pas invité les plus moches, hein! Cochonne! D'ailleurs, Missou, t'avais mis ta maison sur un terrain 100 fois trop grand. Donc, je l'ai agrandi. Pour mettre ça et puis pour mettre un peu de la merde, mais pour que tout soit pris. Voilà. Il y a Sébastien. Alors, vous faire attention parce qu'il y a Sébastien et Sébastien.
Voilà. Ah bah oui, elle a du goût, la Madzi, là. Hein. Regarde, BG Isidore. Bon, alors là, ça va pas être possible, Milo, c'est d'être en mode nourrisson, mais bref. Et Brandon qui est pas mal, hein, quand même. Je vous ai pas menti quand j'ai dit que Lucius et Brandon étaient très beaux. D'ailleurs, je vous ai envoyé une photo de Lucius parce que avec la chance qu'on a eue, enfin que j'ai eue, il est au lycée. Aïe aïe aïe. Mais avant de vous faire voter pour un truc, bah déjà on va se présenter. Enfin, techniquement, on le connaît, mais bon, on va se présenter mieux que ça, quoi. Salut Brandon! Brandon! Milo, ça va pas être possible, hein. Vraiment, relève-toi. Donc ils vont faire une petite fête, mais on est potes avec Maddy. On la connaît même pas, elle nous invite. C'est n'importe quoi. Bah Isidore, reviens, il se barre, le con. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Un chat. Un gros chat. Popiette. Yes. C'était pas un chat de... De la vieille. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Paulette. Popopolette, let, let. Ça, c'est la mère. On s'en fout. On va aller dire bonjour à Sébastien. Madison, tu m'avais pas dit que t'avais un frère BG. Alors. Oh, si on allait tous dans la piscine. Mais quelle bonne idée, dis donc. Elle est gloutonne, amoureuse des chats. Comment on s'en branle? Lui, il est créatif. Sans chaud. Oh. D'accord. Ouh. La foire demain, chien truc. Ok. Isidore, je sais pas où il va, mais il y va. Hein. Mais attends, mais il y a combien d'ados chez les Solivelles là? Il y en a au moins 5. Et lui? Non, lui, c'est le vieux. Le vieux. Ah, là, il y a Lola. Oui, on était potes avec Lola. Je ne l'ai pas fait grandir, sinon ça allait faire trop d'ados. Non, mais Isidore, tu vas chez les gens pour jouer sur le PC, toi. Super. Venez, on va tous nager. Mais en vrai, Sébastien, il est comment? Oh, ça va. Sébastien, pardon. Ça va, ça va. Ce n'est pas désagréable à regarder non plus. Putain, il y en a un, il a parlé, on aurait dit Scooby-Doo. Incroyable. Bon, venez nager les gueux, là. Elle y va toute seule, la pauvre. Hein. Ah, bah voilà. J'ai même pas regardé Maddy. Ça va, elle est mignonne aussi. Elle est mignonne. Ah yes. Duchesse peut-être. Non, pas duchesse. Marquise, comtesse. Baronne, princesse. Princesse Annette, ça aurait été un peu drôle. Oh, j'adore. Marquise, yes. Regardez, on est dans la piscine. Hein. Bah, il n'a pas envie de nager, hein. Et Milo, s'il vient pas? Milo! Un coup, je dis Milos. Un coup, je dis Milo. Ça va pas du tout. Il s'est barré? Oh, le con, il s'est barré. Attends. Oh, il est parti. Oh, il est parti parce que sinon, il allait nous dévoiler son secret. Vous savez ce que c'est, son secret? Bah attends, on va devenir un peu plus potes avec Brandon Sébastien. Son secret, c'est que c'est un triton. Un triton? Mais je suis le maître du jeu, je connais tous les secrets. Oh,
Soupta. Tu peux l'éclabousser. Balle de promo. Non mais on va pas y aller au bal de promo. On a même pas de mec. Oh puis au pire on s'en fout. Oula, ils ont pas l'air de s'entendre du tout hein. Qu'est-ce qui se passe? Résolution des conflits. Pourquoi c'est en baisse de fou là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Mais enfin, sois gentille avec Brandon, c'est peut-être ton futur. Ton futur ex. Éclabousse. Peut-être ce sera lui, hein, ou peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, hein, on sait pas, hein. On sait pas, hein. En vrai, quand on aura vu à peu près tous les mecs, je compte vous faire voter pour qui vous voulez, qui sera le premier, on va dire. Et ensuite, comme Lulabi et Pan, ça sera qui sera la première. Vous voyez? Quand elle aura eu une rupture très triste avec son premier mec. C'est bon, les mecs, c'est tous des connards, je vais voir les filles. Bon, ça marche pas comme ça en vrai. Hein. Ça marche comme ça pour elle parce qu'elle est déjà pan. Enfin, bi. Enfin, appelez ça comme vous voulez, je m'en branle. Elle aime les deux. Voilà, les deux. Elle aime tout. Tous les genres. Voilà. Ça devient compliqué quand il y a 72 genres différents. Du coup, faut dire pansexuel. Mais j'aime vraiment pas ce terme, c'est moche. Je sais pas, bi, c'est plus simple, c'est un peu mignon. Pansexuel, c'est laid. Vous en pensez quoi? Juste du mot, hein. Excusez avec élégance. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Pan, pan. Non, mais c'est ça, pan. Ça a certainement une signification autre. Je sais pas, ça veut peut-être dire multiple dans un autre dialecte, mais ça reste laid. Parce que bi, ça veut dire deux. Pan, ça veut peut-être dire multiple. Je sais pas. Elle est gender duo. N'importe quoi, même. Elle aime tout le monde, voilà. Mais en fait, lui, c'est un gros con, hein. Mais il est sans chaud. Il est sans chaud et elle s'énerve très vite, on dirait moi. Ça va pas être possible, hein. Et nous, on est quoi, déjà? Elle est quoi, lui, la bille? Je sais plus, moi. Extraverti et rat de bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas gentil. Excuse-toi. Bon, écoute, ça a pas l'air de... Qu'est-ce qu'on fait? On va au bal ou pas? C'est vous qui choisissez. Choisissez! La 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 la! La 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 la! Oui, un oui. On est 6, alors je vous laisse... On va voir la majorité, enfin... On est 6, mais il y en a 3 qui parlent, donc je pense que vous arriverez à vous mettre d'accord. Oui. Bon, bah ça fait 2. Allez, go. Ici, c'est la démocratie, sauf quand j'ai décidé autrement. Non, c'est pas terrible, hein. Mais, ça me permettra de vous montrer le nouveau lycée. Parce que j'ai aussi mis une salle auditorium adéquat, enfin, qui va avec. D'ailleurs, c'est très pénible. Je sais pas si vous avez déjà remplacé l'auditorium. Regardez comme elle est belle, notre petite Lulabi, dans sa jolie robe de princesse. Et du coup, il y a Ski et Ski là. C'est très chiant quand vous remplacez l'auditorium parce qu'il faut remplacer toutes les phases de l'auditorium. Voilà. Et cet auditorium est très beau. Je l'ai trouvé sur la galerie, je me suis pas fait chier à le faire, hein. Il est très beau, je trouve. Enfin, il est stylé, je sais pas, j'aime beaucoup. Ça, je sais pas comment c'est fait, mais c'est classe. J'ai aucune idée de comment il fait ce truc. En vrai, c'est méga stylax. Je sais pas, mais c'est classe. Voilà, il est très classe. Et le lycée, il est très simple. Mais j'en ai testé plein, les gars. Et il faut vraiment un truc simple. Parce que dès qu'il y a des étages... Ou dès que c'est un peu grand, c'est la méga purge.
c'est la méga purge, t'es toujours en retard en cours, t'as le temps de rien, faut pas d'étage, faut pas que ça soit grand. Donc là, en gros, ce côté-là, il y a tout le lycée, et là, c'est le réfectoire, et c'est très bien! C'est très simple, mais il est très bien. Voilà, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Oh, c'est stylé! Ouah! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voter. Ok. Voter, parler à quelqu'un, danser. Oh, on peut faire des photos. Peut faire une photo avec quelqu'un parce que techniquement, on est un peu amis avec tout le monde. Il y a qui ici? Alors. Il y a cette petite dame, c'est une nouvelle que j'ai incorporée au jeu, qui s'appelle Julia. Il y a Brandon avec qui on n'a pas trop d'affinité. Madison, Guillaume, Léontine, Milo, Uvario. Ah ouais, c'est ça. Tina, Isidore, Suzy, mais c'est que des Sims à moi, ça me saoule. Juana. Oh, il y a Sébastien! Et je crois qu'il y a Skila aussi qu'on a vu entrer. Ouais, elle est là. Je pense qu'on va faire une photo avec Sébastien. Et après, on va faire une photo avec Isidore parce que. Une photo malicieuse ou amicale. Non, malicieuse. On fait les petits cons avec Sébastien. C'est notre pote d'enfance et tout. Quand tu veux, hein. Alors, ce que j'aime pas dans le bal de promo, c'est que c'est très très lent. Donc, on a le temps de rien. Ouh, bah il a pas perdu de temps, Brandon. Bah, ils y vont pas. Oh, elle est énervée. Sans gagnant. Dispute sans vainqueur. Ok. Ah si, ils y vont. Mais on va voir les photos ou pas? Oh non, la photo est ratée! Mais faut qu'ils arrêtent de faire ça, bordel. Prenez une photo avec. Amusante avec. On n'a pas vraiment de potes filles, hein. Bon, il y a elle, mais elle, c'est mes Sims. J'ai pas envie de. J'ai pas envie. Voilà, parce que c'est mes Sims. On va faire avec Léontine. Et là, vous allez me dire. Mais c'est aussi ta Sims, connasse. Oui! C'est vrai! Mais vous avez voté pour elle, donc j'ai le droit. On va faire une photo avec Léontine. Je sais pas si elle va accepter. Allez. Et ensuite, on fera une photo avec Isidore. Oh non! Isidore, mon cœur saigne! Bon, bah, on va se faire foutre, hein. Léontine qui ressemble énormément à Bertie, hein. En vrai, elle a pas pris grand chose de Maria. Elle a pas pris grand chose de Maria. J'espère que ça va pas être raté cette fois. Ah, là, c'est pas raté. Cool. Et une photo amicale avec. Avec Madison. Est-ce qu'on a les photos dans notre inventaire? Ah ouais, cool. Ensuite, on ira manger un truc. Puis après, je pense qu'on ira danser. Ça vous dit qu'on danse le slow avec Isidore? On va voter pour le roi et la reine aussi. Mais c'est où qu'on vote? Y a pas le truc pour voter? Ah merde! Ah, c'est en kikinant ça. Ah si, c'est là. Voter pour le bouffon ou la bouffonne. Le bouffon, ça va être Sébastien. Genre, c'est notre pote, il est trop drôle et tout. Donc, faut pas le voir méchant. Et la reine. La reine, ça va être Julia. Sébastien bouffe en direct. Mais oui, parce qu'il est drôle, c'est pas méchant.
Bah, ça a l'air de laguer moins que d'habitude, mais je suis pas sûre. On va demander un slow avec Isidore, mais je sais pas s'il va accepter. Cela dit, il a déjà dansé avec tout le monde, alors bon, pourquoi pas nous, hein. Quoi, déjà? Ah non, le bouffon c'est Brandon. Ah cool. La reine c'est Julia. J'avais dit que ce serait Julia. Trop bien. Allez, je veux le slow moi. Putain, c'est bientôt fini déjà. Dis, c'est trop rapide. Allez, je veux le slow. Fais-moi danser. S'il vous plaît. Ah. Ouh. C'est mignon. Quoi déjà? C'est sérieux? Putain mais... Super. Ça a duré 5 secondes. Je sais qu'on est peut-être pas petit ami et tout, mais quand même. Ah, c'est déjà fini. Bon, bah, allez vous faire foutre. Hein. Allez vous faire enculer. Voilà. Si on peut juste parler et lui dire des ragots comme ça. Ragots. Raconter des ragots. Voilà. Non mais le bal de promo, pour moi, ça bug tout le temps, au fait. Hein. Donc, c'est décevant. C'est décevant. Qu'est-ce qu'il a? Va danser, vite! Trop tard. C'est nul. En fait, ça va trop vite. Oh, Cléopatra. Ok, on va à l'after. L'after. Ça va trop vite. T'as le temps de rien parce qu'ils mettent 8 ans à faire quelque chose, quoi. Attendez, il faut que j'aille faire un truc. Hop. Attendez, pause. Voilà. Alors, on est avec qui? Oh, on est avec nos bestas. Il y a Cléopatra, il y a Claire, il y a Violette, il y a Uvario, il y a Skylla, il y a Suzy, mais on s'en fout d'eux, j'ai envie de dire. Non, c'est la fête foraine, trop bien. Attends, on va faire un gros câlin à nos bestas, là. Hop, on va se mettre en bande. Mais non, mais putain, quelle conne. Hop. On va peut-être changer de tenue parce que bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une photo amusante avec Claire. Après, on va faire non pas le truc de l'amour. Bah ok, il y a que Claire, c'est barré. Cléopatra, bah super, super. Ok, ils ont même pas fait la photo.
Ouais, mais c'est décevant. Ah, elle est là, notre copine. Ils peuvent commander un truc à manger quelque part? Ah ouais, là. Un beignet à la saucisse. Ça me donne faim. J'ai pas mangé en même temps qu'elle conne. Y a rien à faire en fait. Mais pourquoi on peut pas faire du manège à deux? C'est nul. À plus de deux, je veux dire. Faut faire un tour de grand roue à 15. Enfin, je sais pas. Les cabines, elles sont censées être grandes. De toute façon, on est mort. Elle va où pour bouffer? Ah non, elle va lui demander, d'accord. Hé, Cléopâtre! Mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, t'es chiante, en fait. Et donc, tu vas y retourner tout là-bas. Ouais, laisse tomber, hein. Où sont les chiottes? Ah, c'est bien fait, hein. Ah là là, c'est bien fait, hein. Où sont les toilettes? Je les ai vues tout à l'heure, je ne les vois plus. Bah merde. Seriously, il n'y a pas de toilettes? Où sont les chiottes? Ah, il n'y a pas de toilettes. C'est génial, c'est une bête foraine, il n'y a pas de toilettes, c'est cool. Bon bah, mange ta saucisse et puis on rentre, hein. Allez, tu sais quoi, on va rentrer comme ça ira plus vite. Super, bah c'est super. Quelle déception. La déception. Nul. C'est nul. C'est nul. Bon, alors, Eva. Elle est en train de cuire des saucisses. On va laisser le père tranquille. Ah oui, alors, la chambre. Juste, en fait, j'ai relooké la maison un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, j'ai mis un peu de briques. J'ai changé la couleur de la cuisine. J'ai changé la couleur des murs pour que ce soit un peu plus clair. J'ai changé la table ici. Le tapis aussi, j'ai changé la couleur. Là, j'ai rien touché. Là, j'ai changé aussi la couleur des murs. J'ai rajouté une baignoire, là. Alors, rien de très palpitant, hein, mais c'est pas grave. Et là-haut, la chambre de Lulabi. Donc, j'ai enlevé le mur qui était ici. Et puis, bah, j'ai fait une chambre d'ado, quoi. Une belle chambre d'ado, hein. Très, 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 très belle. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas mal. Changer la salle de bain aussi, vite fait. Je lui ai mis une baignoire douche, là. Bon, on va aller aux chiottes. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup de voilà, tout ça. Allez, va faire pipi! Dépêche-toi. On va se laver les dents, se mettre du nettoyant sur le visage parce qu'on veut pas de boutons. Et on va dormir. Et Benoît, t'as pas l'air bien. Il était pas en train de faire de la bouffe, lui? J'ai pas rêvé, on l'a vu en train de cuire des saucisses quand on est arrivé. Elles sont passées où tes saucisses? Sérieux, mec? Quand même? N'importe quoi. Allez, au lit, monsieur. J'ai envie de saucisse. Moi aussi.
Voilà, allez, bonne nuit, Benoît. Le labi. On va faire un truc, tu vas accrocher les photos de... Je sais pas où, mais tu vas les accrocher. Hop. Ah oui, c'est clairement raté. Oh, on voit pas le pauvre Sébastien, c'est nul. Oh, elles sont trop mignonnes. Pourquoi elles se cachent? Elles sont quand même trop mignonnes. Hop. Voilà. Ici. Va aller prendre une douche. Nourrir pomme. Non mais dors toi. Qui c'est qui appelle? Non. Il va la brosser. Et lui faire des bisous. Parce que c'est quand même notre toutou. Bah oui. C'est notre petit pom-pom. C'est moi où j'ai vu des trucs là? Ah non, c'est les piafs. J'ai trop peur. Alors, Lulabi, ça s'est bien passé, le bal de promo? Bah bof, j'ai voulu faire un slow avec un mec, il m'a dit oui, mais on a dansé 2 secondes 5. Oh. Ah, il y a ma tante qui appelle. Alors, Lulabi, ça s'est bien passé, ton bal de promo? Bah bof, j'ai voulu faire un slow avec un gars, il a dit oui, puis ça a duré 2 secondes, il aurait mieux fait de me dire non, parce que franchement, je l'ai mal pris. Ah bah tu m'étonnes, c'est tous des connards, oui, c'est vrai. Non, c'est pas tous des connards. Mais... Taisez-vous. Bon. Écriture. Tu vas finir ton écrit, toi? Non, Madison, t'es pas ma besta non plus, donc tu vas pas me harceler tous les jours, hein, merci. Non, mais oh, elle s'est pris pour qui celle-là? Ça y est, on a fait une photo ensemble, c'est ma besta, quoi. Bref. C'est bon, on a déjà fait nos leçons. Normalement, ils ont fait une magie hier, ils ont résolu le bug qui fait que les Sims font plus rien et restent figés. Mais bon, à chaque fois qu'ils disent qu'ils ont résolu un bug, ils sont toujours là. Donc, comment vous dire que je suis sceptique? Comme la fausse? N'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis drôle? On va aller discuter un petit peu avec son papa. Mon papa. Hop. Papa, je peux sortir cet après-midi? Mais bien sûr, t'as fait tes devoirs? Oui, depuis longtemps. Ok, alors casse-toi.
Merci, Yang. Et comme il fait beau... Pardon. Comme il fait beau, on va aller ici. On va y aller avec qui? On va y aller avec Claire. Avec Cléo. Bon, ça ira et puis on verra qui on croise là-bas. Alors, wesh les morues. On va aller danser aux falaises. Ah oui, c'est ça. Il faut que je rajoute un... C'est trop beau, je crois que c'est Akamyu qui avait fait ça. Je rajoute un truc de DJ ou de son là. Pour qu'il danse. Je vais y arriver. Il me fait trop rire avec son espèce de mulet. Il ressemble à rien, le pauvre. Mais en même temps, ça lui va bien. Du coup, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est moche. Mais ça lui va bien. Ça veut pas dire qu'il est moche. Mais je sais pas. C'est étrange. C'est trop beau. Les décors qu'a fait à Camus, c'est souvent très très beau. Il faut aussi des clips, je crois. Enfin bref. Mais viens plus. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. C'est des gens, il y a eu pas mal de gens qui sont venus pendant ma période où j'étais assez détestable. Donc je peux comprendre que certains ne soient pas revenus, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends tout à fait. Par contre j'espère que ce DJ va bientôt venir parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Hein. Tiens, on va donner un bracelet à Claire. On peut pas. Ah, j'en ai déjà un. Ok. Parce que l'autre jour, je lui ai fait faire un bracelet. Et quand je suis revenue en jeu, elle a fini le truc et ça m'a donné tous les bracelets. Je fais d'accord. Ah, d'accord. Et celui-là... Ah, mais parce que je pense que Claire, elle a toujours le sien. Bon, bah en attendant que l'autre, il arrive, on va discuter. C'est censé être un terrain pour les ados. Il n'y a personne. Super, quoi. Super. En réunion. Ah bon? On est en réunion? J'ai lancé la réunion? Ah bon? Uh-huh. Ah bah ouais. Ok, je savais pas. C'est toi la DJ? Connor. Yes. On va pouvoir danser. Allez! Wouh! Bah dis. Bah ce boule. Ce boule qui chamboule, Lulu. Merde, de se faire chier. Regardez, ils arrivent tous. Oui. Mais j'ai pas lancé de réunion, j'ai cliqué dessus par inadvertance, vous avez vu ou pas? Oh, attendez, il faut qu'on se fasse un peu plaisir pour les yeux là. Ouh, Nico! Franchement, il y a du potentiel chez les mecs. Il hein. y a du potentiel, hein. Du pot en ciel, si vous voyez ce que je veux dire.
Chez les meufs aussi. Mais les mecs, voilà, ils se placent là, quoi. Il y en a beaucoup des très très beaux. Même Amaury, il est mignon, hein. En vrai, ils ont tous leur charme, je trouve. Je suis pas très objective. Hein. Potentiel, c'est ça. Pote dans le ciel. Bon, ça, c'est quand ils seront décédés. Du coup, c'est un peu moins drôle. Moi, je dis, on les pécho tous. Faut bien foutre la merde. Les gars, les filles. Non, ça suffit. En fait, je serais bien qu'on puisse coucher avec sans conséquence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que si. Mais en gros, pas être obligé de monter la relation amour, genre un espèce de sex friend, genre on s'amuse un soir et puis on en parle plus. Mais à moins que je mette un mode, ça va être possible. J'ai pas installé le week-end pour ça, quoi. Surtout, surtout vu les positions, les poses que j'ai, ça va pas être terrible. Et j'ai un peu téléchargé tout et n'importe quoi. Donc c'est une très mauvaise idée. Je suis allée sur le site parce que dans le mode week-end, il y a, les poses de base. Donc vous avez tout un lot d'animations de base. Et après, vous pouvez en plus aller sur le site pour ajouter d'autres poses que d'autres gens font. J'ai toutes prises, les gars. J'en ai au moins 300, voire plus. Quand je veux choisir un truc, je sais jamais quoi prendre. En plus, les trois quarts, c'est des trucs... Voilà, quoi. Si vous voulez avoir des poses romantiques pour faire des photos, faut y aller, hein. C'est surtout de la grosse soumission. Vas-y, je te tire les cheveux et je te tringue la mort. Bon... C'est pas foufou, quoi. Bon, bah, c'est bien gentil, mais du coup, vu que c'est le groupe, il y a personne d'autre qui va venir. Donc, c'est nul. Bon, les gars, je vous kiffe, mais je vous kiffe déjà, en fait. Donc, ça sert à rien que je reste avec vous. Hein. On vous connaît déjà, on vous a vu, revu et revu. On vous aime, mais on veut voir autre chose, un peu. Elle est où, la boîte de nuit? Elle est là. Il y a des trucs hyper chelous, voire anatomiquement impossible. Oui, j'ai commandé... Enfin, j'ai commandé. J'ai téléchargé des poses. C'est à hurler de rire. Franchement, c'est trop drôle. C'est des trucs spéciaux pour les vampires, donc ils baissent dans les airs. C'est n'importe quoi. Ça me fait trop rire. Il y a des trucs, je les vois, je fais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment et pourquoi? En fait, c'est des hentai, quoi. C'est juste pas possible. Bref. Les seules poses que j'ai pas prises, c'est celles avec des chiens. Je me suis dit, là, ça va un peu trop loin. C'est un peu trop pour moi. Ah, j'ai une pose où la meuf... Enfin, où tu peux mettre... Tu peux asseoir un Sims sur un autre. C'est trop drôle. Mais genre, le Sims se met à quatre pattes. Et l'autre s'assit dessus. Ça me fait trop rire. Il y a des trucs, c'est vraiment nimp. Alors, il y a qui? Bah, il y a un PNJ. Super. Alors, voici le... La... Je vais y arriver. La boîte de nuit que j'ai téléchargée, c'est censé être un coin pour les ados. Avec des chiens. Bah oui, les gars, enfin, je veux dire, le week-end, c'est un truc de cul. Il y aura tout, quoi. Il y aura tout, hein. Le seul truc que j'ai pas vu, et grand bien m'en fasse, c'est qu'il n'y a pas avec les enfants. Et j'étais contente. Tu vois, je préfère que ce soit les chiens que les gosses. Parce que bon, après, c'est les Sims, mais... Non. Ça va pas être possible. De toute façon, c'est pas un truc que j'ai DL, donc on s'en fout. Mais il y a quand même des choses très très drôles. Bon bah c'est bien, c'est un lieu pour les ados, il y a personne. Ouais, super. Quand est-ce qu'on rencontre... Mais putain, mais... Le proviseur.
Je viens pas en boîte de nuit pour voir mon proviseur, moi. Non, putain, ça craint. Casse-toi, le proviseur, c'est gênant. C'est le proviseur. Vous pensez qu'il est pas net? Avec ce sourire, c'est génial. Get sa gueule. Get ça. Je viens voir les petits jeunes danser. Oh non. Oh, c'est glauque. Oh, attendez, maintenant qu'ils ont... Quand ils ont annoncé les chevaux. Moi, j'étais en mode cool, c'est bien, il va y avoir les chevaux. Et Ruru, il a dit, ah, il va y avoir les chevaux dans le week-end aussi, sûrement. J'ai... Oh putain. Oh putain. Bah écoute, si vous voulez mourir, faites ça avec un cheval, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. D'ailleurs, si vous voulez une mort très cocasse, je pense que ça peut aller dans le Guinness Book des... On dirait charmant dans Shrek. Oh non, charmant un peu plus stylé quand même. Dans le Guinness Book des morts les plus nuls, il y a un mec... qui a fait une fellation à un cheval et qui est mort noyé. Il est à côté du type qui a enculé une ruche et qui est mort aussi, du coup. À cause des piqûres. D'enculer une ruche. Non mais oui, non mais... Je sais pas, le mec il a un grain genre... Trop bien. Déjà, le miel ça colle. À partir de là, à quel moment tu te dis... Je sais pas. Bon bref, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais le gars il a juste dit un trou, faut que je nique. Je sais pas, il avait un problème. Hein. Et donc celui qui a sucé le cheval, bah, il est mort noyé parce que le cheval quand il a joui... Noyage. Noyade, pardon. Noyage bien sûr. C'est un trou, c'est un trou. Ouais, bah du coup il est capoute. Me dis pas qu'il va y avoir que des adultes dans mon bar pour ados là. Ça a l'air parti pour hein. Non mais. Donc ça c'est le père de Guillaume et ça c'est la mère de Sébastien. Non. Ah c'est la mère de Cléopâtre. Bon après elle est barmaid je crois donc pourquoi pas. Mais elle a pas l'air de venir pour être barmaid. Ah. Non, toujours pas. Missou, Braise. Ils comprennent pas quoi dans quartier pour ados. Il y a pas un ado les gars. On fait comment pour les rencontrer en fait? Ah! Non, non toujours pas. Je. En plus elle est trop stylée la boîte de nuit. Regardez ça. C'est la passion. Passion club. Elle est trop bien franchement. Elle est trop belle. Elle est méga stylée la boîte de nuit et il n'y a pas un ado quoi. Non mais c'est une blague au bout d'un moment. Tiens, il y a mamie. Mamie, qu'est-ce que tu fais dans une boîte pour ado, mamie? T'as un truc à nous dire, mamie? Mais regarde ça, il n'y a pas un ado, bordel. Il y a même notre tante. Ça me saoule. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans ado? C'est peut-être parce que j'ai mis je viens chercher de la viande fraîche. Tu laisses Lucius, mamie, tout de suite. Tu le laisses. Tu le laisses. Peut-être si je mets que c'est pas un lieu de fête, c'est pas aura romantique, que je mets juste que c'est pour les ados, davantage d'adolescents viendront.
dans le quartier entourant ce terrain. Ah. Ok. Donc en gros, ils viennent pas sur le terrain, mais ils viennent autour, quoi. Super. Mais... le beau blond, alors... Non, t'auras pas Nico non plus. Aucun, mamie, t'es vieille. Mange dans ta tranche d'âge. Bah, dos, fraîcheur, je veux bien, mais muscles... Enfin, c'est mauvais de faire beaucoup de muscu quand t'es ado, hein. Je veux pas briser vos rêves, mais... Ils sont mieux dans ma tranche d'âge. Oh bah oui, mais tu peux facilement avoir des musclés et frais, hein. Un petit rugbyman. Ça peut être pas mal, ça. T'en penses quoi? Hmm? Cherche un rugbyman blond. Parce que je connais pas leur nom, moi j'y connais rien. Le seul que je connais c'est Sébastien Chabal et je crois pas que ça soit ta cam. Je suis pas certaine, c'est plus la mienne. Bon, tu iras voir sur Google, hein. Voilà. On va faire ton marché, mamie. Non, pas lui. Bref, laisse les petits jeunes. Ils sont plus vieux. Plus rapidement vient l'héritage. Bah, s'ils sont en bonne santé, à mon avis, elle va clamser avant eux, hein. Je veux pas être rabat-joie, mais... Vous avez vu le film Le Viager? Regardez-le, c'est très drôle. Enfin, très drôle. Quand t'aimes les comédies françaises, parce que forcément, c'était en train de dire que l'humour français, c'est l'humour de facho raciste. Forcément, ça va pas le faire, mais bon. J'ose espérer que ma communauté n'est pas comme ça. Bon, en attendant, quartier d'ado, y a pas trop d'ados, hein. Et l'autre, elle se fait photographier, regardez cette star-là. Oui, c'est moi, Catilina. Allez-y, photographiez-moi, je vous préviens. C'est 20 000 euros la photo. Ok. Bon, bah c'est intéressant. Y a pas un blaireau, hein. Eh ben, on va bouger. On va bouger, peut-être que... Je sais pas. Je sais pas ce que j'espère, mais... On va aller là, parce qu'on va dire que c'est Léontine qui nous a donné l'adresse. Mais ça me saoule, je veux rencontrer des mecs, là. C'est nul. Les Sims, vous êtes nuls. Est-ce qu'on va être obligé de faire comme avec les bambins? C'est-à-dire... ouais, bah, mais notre tante, elle nous suit partout. Hein. Et ça, c'est pas possible. Monsieur, dame, vous êtes incroyablement laid. Oh. Je sais pas quoi dire. Devant cette magnificence. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelle horreur. Bon. Je l'arrangerai plus tard. Ok, ok, ok. Bah, il n'y a toujours pas d'ado, hein.
Ça me saoule. Donc, je disais, on va dire que Léontine nous a donné l'adresse. Peut-être que. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Get la dégaine. Super, quoi. Bon, bah, viens danser, hein, Lulabi, ça fera peut-être venir le monde, hein. Oh, putain, il y a une sorcière maintenant. Toujours pas d'ado, hein. Oh, c'est comme ça, toi. Tu te TP. Bertille! Qu'est-ce que c'est que cette coiffure, Bertille? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Bertille? À quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée de te mettre cette coiffure? Mais Bertie, quand j'ai des idées de merde comme ça, tu me dis non, en fait. Pourquoi tu m'as rien dit? Donc elle, c'est une barman. La vieille, là, Yumi. Et ça, c'est Connor, c'est une Digette. Faudrait que je la garde. Ouais, bon, bah super quoi. Y a pas un autre truc pour les ados? Je crois que c'est Carlotta qui m'avait fait ça. Bref, accueillant, machin. Non, il n'y a pas d'autre, hein. Des adultes. Là, c'est le père de Suzy. Ça, c'est la mère de Guillaume. Enfin, la belle-mère de Guillaume. Il y a notre tante. Super, quoi. Je rêvais de faire une soirée avec ma tante. Mirabelle, faut que t'arrêtes de nous suivre partout. Tu auras ton heure de gloire, mais ce n'est pas le moment. C'est quoi ça? Encore un nouveau. Ça va pas mieux, hein. Get. Il y a la grand-mère des jumeaux! Quartier d'ado! Je sais pas s'il y a un mode, mais si jamais vous en entendez parler ou que vous trouvez par hasard, s'il y a un mode qui fait qu'on peut choisir qui va dans quel lieu, je suis preneuse. Je pense pas que ça existe, parce que j'en ai pas entendu parler, mais vraiment, si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas parce que bah, ça me saoule en fait. On veut voir des ados. Au final, on scoltine des gens. On n'a rien à braire. Par contre, je vais remettre repère de vampire parce qu'à la base, c'est le cas, quoi. On n'en a rien à braire de vous, en fait. Bah, apparemment, ça veut dire qu'il y aura des ados dans le quartier. Pas forcément là dans le bâtiment, mais même dans le quartier, il n'y a personne. Et en fait, ça veut dire que nos ados, à moins de se foutre avec sur un terrain ou d'aller chez eux, on va jamais les rencontrer. C'est casse-couille. Get ça, y a des vieux. Enfin, je vous aime bien, les gars, mais vous êtes pas trop ce que je recherche. Regarde, Lulabi, elle est toute seule, quoi. Elle est toute seule avec que des adultes. C'est ultra cringe. Franchement. Et on va regarder s'il y en a des ados, mais il y a que dalle dans le quartier. Ah, il y a un type là-bas. En plus, on voit rien. Ah bah, il y a Milo.
Mais on s'en branle de Milo, on l'a déjà vu. Puis en plus, c'est vachement un lieu pour rôder, quoi. Et en fait, à moins que les gens viennent au lycée, je pourrais pas faire ce que je veux faire. Le but, c'est qu'on rencontre tous les ados et qu'ensuite on ait un peu vu tout le monde et que je vous fasse voter pour. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pour avec qui on va aller en premier, mais. Bah en fait le truc que je vais faire c'est que je vais juste prendre des photos puis ça va être au physique. Alors que pourrait y avoir des affinités, vous voyez, enfin pourrait y avoir des trucs un peu plus fun que juste une photo de chaque ado. En plus ça va me prendre un temps. Enfin bon, c'est pas comme si j'avais quelque chose à foutre, vous me direz, mais voilà quoi. C'est pas ça que je voulais faire. Parce que bon, des ados, il y en a quand même pas mal. Hein. Si je vous montre là, il y a quand même. Bah, déjà, il y en a un. Là, il y en a trois. Là, il y en a quatre. Là, il y en a re-quatre. Là, il y en a un. Un. Deux. Deux. Un. Deux. Un. 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 Une. Une, deux, et ça c'est des putains de PNJ. Je crois que elle c'était la, c'est laquelle la DJette? Elle avait un nom de merde. C'est toi la DJette? Ouais. Je vais la renommer. Je la relookerai plus tard, hein, vous en faites pas, mais là. Elle, c'était la barmaid. Ouais, il est là, lui. Je sais pas quoi en faire de ce beau jeune homme, hein. Ah, si, j'ai trouvé. Elle, c'est une paparazzi, je vais la laisser. Je sais pas s'il y a un R ou deux. Bon, on s'en fout. Et eux, ces personnes, ils vont dégager, hein. Bon, ça m'a saoulé, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une idée pour que bah, je vois un peu tous les ados? Parce qu'en vrai, bah, j'ai pas vu tout le monde, hein. Je sais pas comment faire. J'étais sûre qu'on avait trouvé un moyen pour. Pour qu'il y ait des ados ou alors font un mode. Je sais pas. En fait, ça me saoule de devoir. De devoir mettre des mods pour jouer correctement aux Sims, quoi. Comment inviter tous vos ados à l'école dans les Sims 4? Camarades de classe du secondaire. Putain, trop chiant. Un mode très simple vous aide à ajouter des adolescents à votre lycée. Ouais. Ouais, mais là, c'est pareil. Les ados, c'est limité, en fait. Donc, je sais pas. Parce qu'il y a, y a tout cela à voir. Il y a tout cela. Sébastien, on le connaît. Milos, on le connaît, mais on n'a pas eu. Après, je m'en fous de Milos parce que c'est mon PNJ, mais.
Les jumeaux, on n'a pas eu d'interaction avec eux. Bon, eux, on les voit tout le temps, ça va. Nico, on le voit. Eux, il faut absolument qu'on les voit. Orion et Angelune. Cléopâtre, on connaît. Élise, on connaît. Léontine, il faut aussi qu'on ait des interactions avec. Charlie aussi. Julia aussi. Guillaume, on s'en fout. Svetlana, on s'en fout. Suzy, on s'en fout. Lisa et Uvario, on s'en fout. Non, c'est Nina, pardon. Voilà, mais il faut quand même qu'on ait des interactions avec pas mal d'entre eux, quoi. Et Amaury, on connaît. Et les Solivelles, oui, on peut avoir des interactions avec eux. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Bon. Quoi qu'il en soit, bah on va rentrer, hein, parce que ça sert à rien de toute façon. Et il est temps pour Benoît d'annoncer quelque chose à sa fille. Qui va peut-être pas trop lui plaire. Non mais habille-toi, Benoît, s'il te plaît. Déjà, tu vas inviter Mirabelle. Quel BG. Bref. Pourquoi t'étais pas en boîte, Lucius? Julie. Il dit coucou à qui? À la boîte aux lettres? Il est grave beau, putain. Bonjour, monsieur. Exagération d'une femme. Bon, appelle-la, là! Sinon, elle va dire, ah, c'est trop tard, hein. Qu'est-ce que c'est qui brille, là? Ah, c'est les décorations de Noël. Il serait peut-être temps de les enlever, hein. Oh, elle est triste! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah alors, on va illuminer ta journée, ma vieille. Allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Bon, comment vous dire? Il se peut que Benoît ait trouvé une petite amie. Donc c'est elle, elle s'appelle Mirabelle. Ça fait quelque temps déjà qu'ils se connaissent, ils se sont croisés à sa boutique de fleurs. Et ben, c'est un peu le coup de foudre, hein? Parce que Mirabelle, elle est très active. Elle aime la nature, les animaux, tout ça. Elle est très bohème, très cool. Le yoga, tout ça, tout ça. Et bon, bah voilà, ça a bien matché, quoi. Ça fait déjà quelques années que France est partie. Et bon, bah voilà. On choisit pas de tomber amoureux, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il y a un petit hic. Bah, il va falloir le dire à Lulabi. Et ça, il a beaucoup reculé l'échéance, Benoît, mais il est temps, Benoît. Tu vas peut-être moins rire dans 10 minutes. Si Mirabelle, qui est très mignonne, je trouve. Donc Lulabi va rentrer. Et là, c'est le drame. Salut, c'est qui celle-là? Bon, elle le dit pas comme ça, évidemment, parce que bah, son père a des amis quand même, mais.
Ah, ma fille, tu tombes bien, lol lol, sueur sueur sueur. Bah en fait, il faut que je t'avoue un truc. Il faut que je... Il va dire un truc genre, mais on peut pas la présenter en tant que c'est nul. Ce serait cool qu'on puisse la présenter en tant que petite amie. Bref, et ça va pas trop lui plaire à Lulabi. Et elle va... Non mais arrête, elle va faire une présentation grossière. Genre, ouais, salut, ouais. MDR, t'es qui? Ouais, bah faut le faire par contre, parce que sinon je passe pour une conne, moi. Mais enfin, mais enfin. Ouais, super, ouais. Comment ça, tu baises mon père? Enfin, et pour la première fois de sa vie, Benoît va s'énerver. Tu mets un truc au pif, hein. Bon, enfin, tu lui parles pas comme ça, je t'ai pas élevé comme ça, ma fille. Et elle est végée dans ma chambre. Non, c'est très mou, hein. C'est très très mou, hein. Bon, bah du coup, elle se casse dans sa chambre. Voilà, elle a pas très bien pris la nouvelle, hein. Elle va aller pleurer sous la douche. Bon, elle va pas vraiment pleurer parce qu'elle est pas d'humeur triste, mais vous avez compris. Et ben, il va s'excuser auprès de la dame. Je mets les actions au pif parce qu'évidemment, il n'y a pas ce qu'il faut. Et Mirabelle va dire, c'est pas grave, je comprends. Je vais y aller, bisous. Bisous. Dit Benoît avec une pointe de tristesse dans la voix. Ayant espéré que ça se passe beaucoup mieux entre sa fille et sa petite amie. Tiens, appelle Pomme, Lulabi. Voilà, Lulabi, elle va faire des gros câlins à un Pomme. C'est pas juste, ouah ouah, pourquoi il fait ça? Il a oublié maman, alors que ça fait 10 ans, tu sais. Bon, j'abuse un peu, mais... Ouin ouin, ouin ouin, il est trop méchant. Quel canard! Tu te rends compte, Pomme? Ouf! Fais Pomme qu'on n'a rien à secouer. Allez, va pleurer dans ton lit. Mais Benoît, il se sent pas trop d'aller voir sa fille tout de suite, donc il va aussi aller se coucher. Allez, au lit, il y a l'école demain. Ouh, l'orage. Si tu peux finir ton livre, ça serait vraiment pas mal. Parce que là, on a plus de thunes. Bon, après, si, ça va, on a de la thune, mais bref. Pourquoi elle est effrayée? Elle a peur de l'orage. Toujours un truc, hein. Bon, avant de faire quoi que ce soit, tu vas t'appliquer de la crème, là, parce que si, si tu commences à avoir des boutons, tu vas nous faire une syncope. De toute façon, elle boude. Mais non, mais j'ai dit tu boudes et tu vas avec ton père. C'est pas possible. C'est chiant.
Dépêche-toi, Lulabi. Et hop, on se lave les dents. C'est la moindre des choses. Ouais, respecte pas le script, là. C'est honteux. Allez, on y va. On espère qu'il n'y aura pas trop de PNJ à dos. Ah bah merci Missou, tu veux que je mette la pièce dans la galerie? Par contre, il te manquera peut-être des kits. Alors, on a qui? Ah, on a Lena, Isidore, un random, super. On a toujours un ou deux. Oh, Lucius. Ok, ça marche. Pardon, j'ai donné un coup de... Je pense qu'en vrai, c'est mon préféré. Genre, il est vraiment trop beau. Julia. C'est déjà notre pote. Alors, je vous montre un peu le lycée. Je sais plus qui l'a fait. Donc ici, il y a le réfectoire. Je pense que je le redécorerai un petit peu plus tard. Le réfectoire est très vide, mais ça, c'est une... Putain, quand même des randoms, hein. Il y a quand même des randoms, mais il y en a moins quand même. Ah, il y a Miss Yoko. On est déjà tous, toutes potes. Je suis déjà pote avec tout le monde, moi. Donc, il y a deux salles de classe. Une comme ça et une comme ça. Je trouve ça sympa. Un espèce de petit foyer. Ça, c'est cool aussi. Les toilettes... Ah, c'est les toilettes du directeur, non? Ouais. Les toilettes ici, les casiers, et puis... puis voilà, un espèce de petit truc, je sais pas quoi. Bref, c'est sympa. Franchement, il est simple, il est propre, il est jouable. Parce qu'il y a des très grands lycées magnifiques, mais ils sont pas jouables, en fait. Donc c'est très chiant. À manger une pomme, Lulabi, c'est son petit rituel du matin. Allez, manger une pomme. Faut qu'elle révise les examens. Va aller sur un PC. C'est dans quoi déjà? C'est dans le lycée peut-être. Tiens, on va regarder nos notes. On est potes avec toi, Juana, ou pas? Non. Eh ben, on va le devenir. Alors, que disent les profs? Elle n'a que des A. Ça va pas durer. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Lucius? Tu veux me parler? Ah, la typose. Ah non, il veut plus me parler. Bah super. Ok, ça marche, Missou. Bonne nuit si tu t'endors et merci d'être viendu. Bon bah révise tes examens, hein, écoute. Du coup, mamie et Osk, vous me conseillez de faire quoi pour qu'on voit tout le monde? Est-ce que... Ouais, elle fait la typose, le challenge de la typose. Elle me fait trop rire. Elle est trop mignonne en plus. Oh, Juana aussi, elle est belle, hein. Get les beautés, là. Oh, elles sont trop mimes comme ça. Jack, je vole! Juana, je vole! Ah, vas-y, je vais faire un screen.
Il y a Isario et Lucius qui se font un petit rugby en plein dans le couloir, parfait. Isario, n'importe quoi. Isidore, Isario. J'ai mélangé Uvario et Isidore. Isario. Ah merde, c'est l'heure de... C'est l'heure de la classe. Vite, vite. On est avec qui? On est avec Lena et Misioko, très bien. Regardez, le look de Lena est juste magnifique. Franchement. Putain, on a un PNJ de merde. Lena, regarde-nous! Voilà. Elle est trop belle. Oui, je lui ai mis les kiki sur la tête. Je trouve que ça lui va trop bien. En vrai, je pense pas que tu sois acceptée comme ça en cours. Hein. Soutif apparent, j'ai des doutes. Oh, regardez qui est dans notre classe! La même qu'on peut plus. Bah en fait, les solutions, ça serait d'aller bah, chez les gens. Hein. Tout simplement pour rencontrer un peu les types. Et puis à chaque fois, les inviter sur un terrain. Mais juste derrière lui là, on se demande pourquoi. Missou aussi d'ailleurs, si tu veux répondre. Mais ça saoule d'avoir les deux PNJ de merde là. Et ici... Ici, il y a Juana, Guillaume, Julia, et du coup, c'est Tina. Ouais, c'est ça, Tina et Isidore. C'est con qu'on puisse pas, qu'il y ait pas plus de monde. Mais je trouve que cette disposition de classe est tellement bien. C'est tellement trop une bonne idée, en vrai. Mais moi, je sais pas pourquoi je vais toujours dans cette classe-là. Malheureusement. Je ne serai pas à côté de Lucius. D'accord. Bah en fait faire ça en off c'est enfin si je voulais faire ça c'était pour aller pour vous les montrer un peu quoi donc je sais pas. Du coup, je fais quoi pour le sondage? Je vais juste prendre les photos une à une et je vous les mets côte à côte, puis vous choisissez. Pour le moment, Lulabi reste un peu concentré, mais franchement, l'annonce de son père, ça lui a pas trop plu. Donc pour le moment, elle le boude. On va parler à Lucius, hein. Je suis désolée, mais il est juste derrière, on va en profiter, quoi. On va parler à Lena aussi. On va se rapprocher d'elle. Par contre, vous, si vous pouvez juste partir, ce serait cool. Ça fait quoi si elle meurt? Vas-y. On va rigoler. Non, pas lui la bille! Bon. Bon, on va quitter, hein. De toute façon, c'est pas comme si j'avais fait grand chose. Mais j'avais cliqué sur l'autre, je suis pas folle. J'avais cliqué sur elle. J'avais cliqué sur elle.
Je suis blasé. Je sais plus mes sous. Franchement, j'ai cliqué sur l'autre, je suis pas folle au bout d'un moment. Il faut avoir le livre de la vie, je ne l'ai pas. Le visage du blasage. C'est bon, elle n'est pas morte. Il ne s'est rien passé. Je prends mes médocs, hein. Rien se passe comme je veux. Ça me casse les couilles. Et mon mifortique est tombé derrière le bureau. Fuck. Fuck. Il est pas là. Eh bah tant pis. Il s'est passé que j'ai voulu tuer un PNJ et ça a tué Lulabi. Voilà. Donc je recharge la... je recharge la... Ok, ça met là. Ok, ça va. Oups. Ouais, tu l'as dit, oups, ouais. Bon. Bah du coup, on va tuer lui. Et ça le met sur elle. Là, on est d'accord que j'ai bien cliqué sur lui, hein. Je viens de le faire et ça le met sur nous. C'est vraiment de la merde, ce jeu. Jeu de merde. On peut même plus tuer les PNJ, quoi. Quelle indignité. On pouvait avant. Donc c'est vraiment débile. Bon, ça me gonfle. On voit pas d'ado. On a des putains de PNJ à l'école alors qu'on s'en branle. En plus, de toute façon, même si je mets le mode pour choisir les gens qui sont avec moi au lycée, il y aura que 12 personnes maximum de ce que j'ai cru compter. Donc ça... Je suis désespérée, les gars. Je suis... saoulée. Je sais pas comment je peux m'y prendre, là. Ah. Est-ce que j'ai remis les bons traits ici? Ouais. Je suis saoulée. Voilà. J'ai plus envie de jouer. Un mode. Je vais regarder le mode à propos de... Je suis désolée, je perds mes mots en plus. Je vais regarder le mode qui parle de mettre les Sims qu'on veut. Plusieurs PNJ principaux, blablabla. Bla bla. Ah ok. En fait, si ça crée des PNJ, je suis en train de voir.
si ça crée des PNJ sur le dans le lycée, c'est parce qu'il faut absolument un Sims méchant, un membre du club d'échecs, un membre du cheer club, un membre du club de football et un membre de l'informatique. Donc je pense que ça me choisit des trucs. Ok. Ça a l'air chiant. Nya nya nya. Ils sont plus autorisés, cependant. Ouais, c'est chiant. C'est bien que la personne ait essayé de faire quelque chose, si tu veux, mais... Oh, ça me gonfle. Alors, il y a quoi? Il y a quoi comme... Oh, putain, il en a, il en a des modes, celui-ci. C'est un... Chinois? Je crois que c'est un chinois. En japonais, chinois. C'est pas du japonais, ça. Bon, bref, on s'en fout. Il s'appelle Rex. Ah bah oui, c'est écrit là. Version chinoise. Voilà, suffit de lire Lupina au bout d'un moment. Alors, carrière originale, on s'en branle. Soirée karaoké, machin, cérémonie de remise des diplômes universitaires. Venez et allez au travail, ouais. Karaoké, machin. Les aliments, ça ira, merci. Livre de Sherlock Holmes. Love Tester. Qu'est-ce que c'est que ça? Machine de tir. Ouais. Une friteuse. Énorme. Mariage significatif. Ok. Bon. Mode. Quoi? La Bretagne? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, c'est écrit en chinois. Alors, je sais lire. Je sais lire le chinois. En fait, non, ça me traduit pas. J'ai trop cru. Bon, je sais pas. Je sais pas. Alors, je vais chercher mode. Ouais, bah, c'est un épisode où on joue pas, on fait de la recherche, c'est intéressant. Hein. Mode. Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut que je trouve les bons mots. Restriction. De lieu par âge. Ça ne veut rien dire, mais... Ah oui, non, mais c'est mode Sims 4. Si je commence pas par là, déjà. Ado réaliste. Mais comment, j'en ai rien à foutre. Trait pour les âges plus réaliste. Mais je m'en fous. Pré-ado. On s'en branle. Réaliste et complet. Franchement, j'ai besoin de votre avis là-dessus. Je veux un avis sincère, s'il vous plaît. Vous pensez quoi? Je pense que je vais arrêter de jouer là parce que de toute façon, ça m'a saoulé. Je vais pas mytho, je peux pas faire ce que je veux, ça m'a vraiment saoulé. Donc on va se mettre là tranquillement. J'aimerais votre avis à propos de le fait que ça soit toujours plus réaliste dans les jeux. Est-ce que vous aimez ou est-ce que ça vous saoule? Par exemple, les Sims, vouloir qu'ils aient des maladies, que, je sais pas moi, que la grossesse soit 100% réelle, c'est-à-dire que ça grossisse lentement, que ça compte en semaines, que les Sims c'est leurs règles, machin, enfin, les trucs très réalistes. En gros, c'est la vraie vie, mais dans ton jeu. Est-ce que c'est un truc qui vraiment vous plaît? Ou est-ce que vous trouvez ça boring? Ça dépend si c'est de manière chiante ou pas. Bah oui, mais en général, bon, bah, je vais pas dire mon avis parce que voilà, mais il est très arrêté. Sortie d'ado, rancard, autorisation, on s'en fout.
Ado réaliste. Je sais pas. Popularité chez les ados. Ouais, bof, ça m'intéresse pas, ça. Ça a l'air cool, hein, mais ça m'intéresse pas. Ah, t'as l'air d'avoir plusieurs modes, par contre. Centré du jeu de base, bah putain. Sans module d'interaction sociale, tu m'étonnes. Il y a tellement pas d'interaction. Correctif, machin, entraînement intensif, blabla. Le jeu est fait pour être moins relou, donc c'est un non pour moi. Un jeu sert à s'évader de la vie réelle. Bah, je suis un peu d'accord. Enfin, en vrai, un peu de réalisme, j'aime bien. Mais quand ça devient trop, vraiment, enfin, tu gères comme tu gérerais ta vie, franchement, c'est relou. Enfin, je sais pas. Comment ça me gonfle, perso? Bah, pour simple exemple, le mode swim sur Minecraft avec les chevaux, ils ont fait en sorte là que les chevaux puissent manger et bah attendez, je vais couper le RIC parce que ça sert à rien que je discute pendant 8 ans alors que ça n'a aucun rapport. Donc pour les gens qui regardent la rediff, bah déjà merci d'être restés. Et le prochain live ce sera mercredi. N'hésitez pas à venir. Je sais pas ce que je ferai encore, on verra bien. Donc des bisous et salut, passez une bonne soirée. Bisous.